shampoing et après-shampoing soins réparateurs et protecteurs de Pantene. Leur formule Pro V nourrit les cheveux abîmés par l'été. Et vous pourrez ainsi briller tout l'été. La gamme de soins réparateurs et protecteurs, uniquement par Pantene. Vos cheveux vous font rayonner ? Pantene vous invite à devenir une des futures ambassadrices Pantene en 2007. Visitez pantene2007.be et découvrez tout ce que vous pouvez gagner. Dimanche, Louis n'est pas content. Ça va pas, monsieur Roman ? Non. Son tube est en panne. Impossible, un engin pareil. Et Louis sans son tube... C'est rien, c'est des bricoles. Il ne peut rien faire. Tu peux rien faire, toi ? À moins que la marche à pied. Et doucement, hein. Doucement, mais sûrement, Louis. Alors, en avant-marche et à dimanche soir sur la Une. Ce samedi, Justine Hénin affrontera Kuznetsova. Justine a battu très très facilement Kim Clijsters. Les suites à l'ICDI, il y a de nouvelles perquisitions dans les bureaux d'un parc à conteneurs de Couillé. Le gérant du parc a été emmené menotté. L'un des terroristes les plus recherchés en Irak, Abu Moussab al-Zarqawi, a été tué dans un raid. Nous verrons ce que cela peut changer pour les Irakiens. Dans la Meuse, entre Namur et Liège, un radar a repéré plus de 250 épaves de véhicules. C'est énorme, elles vont être repêchées pour vérifier si les personnes disparues ne s'y trouvent pas. Bonsoir à tous, c'est un événement en Irak. Abu Moussab al-Zarqawi, le chef d'Al-Qaïda et l'un des principaux chefs de la guérilla, a été tué dans un raid. Une mort confirmée par Al-Qaïda, mais le groupe terroriste s'est engagé à poursuivre le combat contre les forces américaines en Irak. Bernard Leplat. Voilà, il semble qu'on a un petit problème en ce début de journal. On va voir le premier sujet donc, qui concerne la mort d'Abu Moussab al-Zarqawi. Cela ressemble à un bulletin de victoire entre le commandant des forces américaines et l'ambassadeur des États-Unis en Irak. C'est au premier ministre irakien que revient l'honneur de l'annonce. Aujourd'hui, c'en est fini de Zarqawi. Se départissant de leur nécessaire réserve, les journalistes se laissent aller à des applaudissements nourris. Et c'est dans ce climat quasi euphorique que la partie américaine explique les circonstances de l'élimination de leur ennemi public numéro un, une tête mise à prix pour 25 millions de dollars. Des informations et des renseignements de leaders irakiens, membres de son réseau, ont conduit nos forces jusqu'à Zarqawi et jusqu'à ses complices. Ils se réunissaient à 8 km environ au nord de Bakouba. C'est là que le raid aérien a été lancé. Un raid mené au radar par deux F-16. Le pâté de maison a été entièrement soufflé. Le corps de Zarqawi a pu, dit-on, être formellement identifié grâce à ses empreintes digitales, son visage et ses cicatrices. Cette élimination est considérée par les Américains comme un coup décisif porté à Al-Qaïda. De nombreux experts estiment au contraire que le sort réservé à Zarqawi pourrait inspirer de nouveaux candidats aux martyrs. À propos de cette mort, un fonctionnaire irakien a dit « Le grand Satan est mort, je suis tellement content que j'en oublie la pénurie d'eau dans mon pays ». Une phrase qui résume bien le sentiment de certains Irakiens à l'égard de Zarqawi. Portrait d'un des hommes les plus recherchés, Isabelle Heusen. Les Américains avaient mis sa tête à prix 25 millions de dollars, la même somme que pour Oussama Ben Laden. Car Zarqawi était lui aussi l'ennemi juré des États-Unis. Il y a deux mois seulement, par vidéo interposée, il s'adressait à George W. Bush en ces termes. Ô grand menteur, sachez que nous sacrifierons notre sang et notre corps pour vous empêcher de réaliser votre rêve. Et ce qui va arriver sera encore plus fort et plus terrible. L'ombre de Zarqawi plane sur une multitude d'attentats, comme celui contre les bâtiments de l'ONU à Bagdad en 2003, mais aussi les attentats de Madrid ou encore ceux de Casablanca. Selon les services secrets, c'est lui aussi qui tenait le poignard qui a servi à décapiter ce jeune Américain. Pour l'instant, que ce soit les services de renseignement, les médias ou les professionnels, il est extrêmement difficile de savoir si, en effet, un monsieur qui s'appelle Zarqawi est derrière tous les attentats qu'on lui attribue maintenant. Zarqawi est jordanien.
Et dans son village d'origine, on n'a pas vraiment gardé une bonne image du jeune homme qui a grandi là-bas. C'était un mauvais garçon. Il jouait aux cartes, il buvait, il courait après les filles. Un sale type. En Jordanie, Zarqawi avait été condamné à 15 ans de prison. Ses compagnons de cellule l'avaient aussi décrit comme un voyou, passionné par le Coran et le bodybuilding. La mort de Zarqawi ne changera pas grand-chose à la violence en Irak. Et d'ailleurs, il a déjà un remplaçant. Certains affirment qu'il aurait été trahi par la direction d'Al-Qaïda. Il s'agirait d'un règlement de compte interne à l'organisation terroriste. Explication, Pascal Bourgault. Zarqawi est mort. On doit s'attendre à ce que les terroristes et les insurgés continuent sans lui. Effectivement, Al-Qaïda a déjà nommé un nouveau chef en Irak, un Égyptien, et ce n'est sans doute pas un hasard. Ayman al-Zawahiri, le numéro 2 d'Al-Qaïda, est égyptien. C'est lui et Ben Laden qui auraient trahi et vendu Zarqawi aux Américains. Problème de rivalités internes, ce spécialiste du terrorisme explique. Si on le voit avec une mitraillette, on verra Ben Laden dans les années 90 avec une Kalachnikov, exactement dans la même structure, dans la même mise en scène. Il va être le chef à la place du chef. Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment un copycat. Copier Ben Laden pour montrer que lui, en fait, a repris le dessus par rapport à Ben Laden et Zarqawi. Entre eux, il y avait aussi des divergences de tactique. Zarqawi visait surtout les chiites, comme ici, à Kerbala. La direction d'Al-Qaïda aurait préféré concentrer les attentats contre les Américains. Ce sera sans doute la nouvelle stratégie. On va plus frapper les forces irakiennes, plus frapper les forces américaines et moins... les civils chiites, pour rassembler cette fois-ci chiites et sunnites contre les Américains, contre les forces irakiennes, contre le gouvernement irakien. Plus d'opérations contre les Américains, moins contre les chiites. Cela facilitera peut-être le processus politique interne et éloignera les risques de guerre civile. Mais de manière générale, la violence en Irak n'est pas près de disparaître. L'autre moment fort de l'actualité, c'est Justine Hénin, qui sera en finale samedi à Roland-Garros. Elle s'est imposée, il faut le dire, très facilement face à Kim Clijsters, de 7 magiques pour Justine. Kevin Papen. Et de 3 pour Justine Hénin-Harden. La Rochefortoise s'est qualifiée pour la troisième fois de sa carrière en finale de Roland-Garros. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 6-3, 6-2. Kim Clijsters n'a rien pu faire. Justine était intouchable cet après-midi. Pourtant, le début de match est prometteur. Les deux Belges qui n'ont pas concédé le moindre set depuis le début de la quinzaine sont au coude à coude. Devant le public belge, Justine et Kim ne se font pas de cadeaux. 3-3 après 25 minutes de jeu, les deux joueuses ne parviennent pas à se départager. Mais ça ne va pas durer car Justine met le turbo, la protégée de Carlos Rodriguez hausse son niveau de jeu et ajuste ses coups. Tenante du titre, Justine Hénin fait honneur à son rang de favorite. Elle s'envole et plie le premier set 6-3 en un peu plus d'une demi-heure. Scénario identique dans la seconde manche. Kim s'accroche dans les deux premiers jeux avant de lâcher prise. La Limbourgeoise commet beaucoup trop de fautes directes. Jamais inquiétée, Justine reste solide et neutralise complètement sa rivale. Résignée, Kim ne reviendra plus dans la partie. Justine Hénin-Harden remporte le match en 2-7, 6-3, 6-2. L'aventure se poursuit pour la Rochefortoise, avec peut-être à la clé un troisième titre sur la terre battue parisienne. Et on connaît bien sûr le nom de l'adversaire de Justine Hénin-Harden. Il s'agit de Svetlana Kuznetsova. La Russe a pris la mesure de la jeune Tchèque. Nicole Vaidisova en 3 manches, 5-7, 7-6, 6-2. C'est donc Kuznetsova qui affrontera Justine samedi prochain en finale. Et on retrouve en direct à Roland-Garros Gaëtan Vigneron. Gaëtan, on peut le dire, on a vu une Justine Hénin impériale. Oui, bonsoir François. C'est vrai déjà que lors de 4 des 5 dernières confrontations entre les deux joueuses sur terre battue, Justine s'était imposée. Eh bien, elle s'est à nouveau imposée facilement, gérant parfaitement cette fameuse pression dont on avait beaucoup parlé, laissant s'exprimer aussi ses énormes qualités tennistiques. D'un autre côté, Kim étonnamment amorphe, comme si elle n'avait jamais véritablement cru en ses chances sur cette terre battue qu'elle estime être la surface de prédilection de Justine. Je vous propose tout de suite d'écouter les premières réactions de
de Justine à la sortie du terrain, et puis de Kim il y a quelques instants à peine. Bon bah voilà Justine, toutes nos félicitations. Finalement, Kim Clijsters avait peut-être raison de dire que vous étiez la favorite pour ce match. Bah maintenant je suis un peu évidemment soulagée, c'est sûr que c'était un contexte toujours particulier, mais j'ai bien géré ça. J'étais assez nerveuse hier et ce matin et la nuit dernière, mais je crois que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait, j'ai bien servi, j'ai ramené énormément de balles dans le court et ça, je savais que ça allait énormément déranger Kim, mais je suis contente. Maintenant il ne faut pas qu'il y ait un trop gros relâchement parce que samedi il y a un autre gros match qui m'attend et ça c'est important. Troisième finale, on espère bien entendu une troisième victoire à Paris. Bah, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter, évidemment. Bon, j'ai deux Roland-Garros en poche. J'ai toujours dans une minute chez toi, une minute. C'est ici. Maintenant, chaque situation est différente. Je ne veux pas avoir d'excès de confiance. C'est pas le genre de la maison. Et voilà, maintenant récupérer, savourer cette victoire et me préparer le mieux possible pour un match qui s'annonce vraiment très difficile. Je n'ai pas vraiment bien joué aujourd'hui. Justine, au contraire, a fait un très bon match. 30 secondes. Balle de break au début du premier set, quelques occasions. Mais à chaque fois que c'était le cas, Justine a vraiment très bien servi. Et c'est pour ça qu'elle a gagné aujourd'hui. Justine était tout simplement trop forte? Non, elle a fait un très bon match, mais moi je n'ai pas joué mon meilleur tennis. Qui va gagner la finale? 10 secondes. Je pense que c'est Justine. Elle est vraiment très forte sur terre battue et je pense qu'elle est au-dessus du lot. Top. Eh bien oui, très sportivement, comme la plupart des observateurs d'ailleurs, qui me reconnaissaient la supériorité de Justine Hénin-Ardenne, en passe donc peut-être samedi de remporter une troisième couronne ici à Roland-Garros. Vous le savez, c'était le jour du 23e anniversaire de Kim Clijsters. Après la rencontre et malgré la déception, eh bien les organisateurs, on va en voir quelques images, ont néanmoins tenu à offrir un gâteau d'anniversaire à Kim, très détendu finalement. Ils sont plutôt calmes, les supporters belges, pour la plupart. Ils sont déçus de la qualité de la rencontre. On devrait voir ces images du gâteau de Kim Clijsters. Je ne sais pas s'il est prêt qu'on me fasse signe. Ça arrive, ça arrive. Ça va arriver. Vous voyez, la pâte a dû un peu tomber. Mais donc, c'était ce 23e anniversaire. Et voici ce gâteau d'anniversaire. Vous voyez, malgré la déception de la défaite cinglante, eh bien, Kim a quand même voulu participer un peu à la fête, un peu gâchée. Elle a un certain caractère qui lui permet de prendre le dessus malgré la supériorité affichée par Justine sur le terrain. Il y avait bien sûr beaucoup, beaucoup de supporters belges présents à la porte d'Auteuil cet après-midi. C'était un central coloré de noir, jaune, rouge. Anne-Catherine Coffert est allée à la rencontre de ses supporters. Je vous propose tout de suite de découvrir la réaction de ses supporters noir, jaune, rouge. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont plutôt calmes, les supporters belges. Pour la plupart, ils sont déçus de la qualité de la rencontre. C'est une déception parce qu'un match, comme on dit, ça s'était pas serré, c'était... Ouais. Vous préfériez l'autre demi-finale? Oui, beaucoup plus. C'était un match un peu décevant sur le plan tennistique, surtout au niveau de Kim qui a été un peu en dessous de son niveau habituel. Mais bon, si c'est Justine qui a davantage de chances de remporter la finale, alors disons que c'est une bonne chose. Cette dame vient chaque année. L'an dernier, elle a déjà assisté à la victoire de Justine. Ce qui compte pour elle aujourd'hui, c'est d'assister à la finale d'une Belge. Je vous ai franchement dit que j'étais ni pour l'une ni pour l'autre. Et ici, j'étais pour la plus faible des deux. Enfin, celle qui jouait le moins bien, en fait, Kim n'est pas entrée dans le match, rien n'a fait. Et Justine jouait très très bien. Très bien, il faut le dire. Vous êtes quand même satisfaite? Oui, oui, très. Et je crois que samedi, Justine a beaucoup plus l'occasion de battre Krunikova que Kim. Enfin, il y a ceux qui n'ont pas vu grand-chose, mais peu importe. Si bien Kim que Justine. Mais c'est loin, hein? C'est loin, c'est loin. On était assis tout en haut, c'était dommage. Mais enfin, on a quand même su suivre le match. Hein. Au vu du match, certains Belges avaient l'air un petit peu perdus. Voilà, Justine est donc en finale et bien sûr toute la Belgique sera derrière notre compatriote samedi face à Kuznetsova. On annonce pas mal de personnalités, notamment le Premier ministre Guy Verhofstadt. Aujourd'hui, eh bien, la princesse Mathilde en personne avait fait le déplacement en train pour venir assister à cette demi-finale 100% belge. Ophélie Fontana était dans le sillage de la princesse Mathilde.
Une princesse sans son prince, c'est en effet seule que Mathilde est arrivée à Roland-Garros ce jeudi après-midi. Comme tous les autres Belges venus à Paris, la princesse est là pour encourager Justine Hénin-Hardenne et Kim Clijsters, mais la princesse ne nous donnera pas son pronostic avant le match. Avant d'assister à la rencontre belgo-belge tant attendue, Mathilde suivra avec beaucoup d'attention le duel entre Vaidisova et Kuznetsova. Puis vient leur hache à Kim et Justine de jouer, mais le plaisir sera de courte durée. Justine Hénin-Hardenne l'emporte facilement, mais à la sortie, la princesse a néanmoins le sourire aux lèvres. Madame, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Écoutez, on est là pour soutenir le sport belge. Voilà. Qu'en avez-vous pensé, vous, personnellement? Mathilde est donc repartie vers Bruxelles pour raconter son après-midi parisienne au prince Philippe. D'autres considérations, bien sûr, tout à l'heure sur la 2 aux alentours de 20h25 dans Retour à Roland-Garros. Et puis, bien sûr, François, rendez-vous samedi pour la grande finale avec Justine Hénin-Hardenne. Merci Gaëtan, on l'a bien entendu, c'était vraiment du direct, merci. Actualité judiciaire à Charleroi, la police fédérale a perquisitionné les bureaux du parc à conteneurs de Couillet. D'après un témoin anonyme, on y aurait broyé et stocké illégalement de l'amiante en grande quantité. Le gérant du parc a été emmené menotté par les enquêteurs. Samy Osni. Une dizaine de policiers en civil arrivent en force dans les locaux du parc à conteneurs de Couillet. La perquisition durera 2 heures. Les enquêteurs analyseront l'ordinateur du parc ainsi que de nombreux documents. Ils vont demander des informations complémentaires sur les documents qu'ils consultaient et qu'ils ne connaissaient pas bien, quoi. Quel genre de documents? Des documents tout à fait ordinaires à mes yeux. Des pesages de camions, des fiches de congés et quantité de choses du même niveau. Il s'agit pour la police fédérale de savoir si des déchets contaminés par de l'amiante ont bien été enterrés ici. Plusieurs témoins anonymes ont en effet affirmé que cela avait été le cas pendant des années. Enfin, des falsifications de documents sur le tonnage des déchets auraient également pu avoir lieu. Plusieurs personnes seront interrogées par la police, notamment le responsable du parc Alain Scott. L'homme menotté sera finalement emmené par les enquêteurs. Les ouvriers du parc sont consternés. Pour eux, les accusations lancées par les témoins anonymes sont fausses. Peut-être quelqu'un qui n'a pas eu satisfaction vis-à-vis du patron ou quelque chose comme ça. Moi, encore une fois, c'est notre sentiment. Les enquêteurs repartiront également avec de nombreuses caisses remplies de documents. Le matériel informatique a lui aussi été embarqué pour vérification. Oui, puis une cellule de crise a été mise en place à l'intercommunal de collecte des déchets. C'est Philippe Dewam qui devient manager de crise. Sa mission est prévue jusqu'au 31 octobre. Dans ce qu'on a appelé le dossier de la Carolobis, à savoir la gestion du club de volley des Dauphines à Charleroi, Patrick Ansval, le chef de cabinet du bourgmestre, a été libéré. Il a pu quitter la prison de Jamiou. Benjamin Anné. 17h, Patrick Ansval est libre. À bord de la voiture de son avocat, il sort de la prison de Jamiou. Il y était incarcéré depuis 17 jours. Le 23 mai dernier, il avait été arrêté et inculpé pour faux usage de faux, corruption active, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs pour son rôle de président du club des Dauphines, l'équipe de volley de la ville de Charleroi. Aujourd'hui, Patrick Ansval est libre, mais il reste inculpé. Il est confiant par rapport au dossier, par rapport aux éléments du dossier, parce que depuis le départ, il nie tout acte qui pourrait être considéré comme une infraction. Et donc il est confiant par rapport à ces éléments-là. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, nous avons été écoutés, il a été libéré. Donc il a une confiance absolue dans la justice. Oui. La fille de Patrick Ansval, Audrey, était également venue accueillir son père à sa sortie de prison. Dans le clan Ansval, c'est le soulagement. Est-ce qu'il comprend pourquoi il était incarcéré si longtemps? Non. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Non, personne ne comprend. La justice reproche à Patrick Ansval des flux financiers entre la Carolorégienne et le club de volley de la ville. C'est donc bien en tant que président des Dauphines qu'il a été arrêté, et non pour sa fonction de chef de cabinet de Jacques Van Gompel, le bourgmestre de Charleroi. Il n'empêche, entre ses suites de la Carolo et le dossier de l'ICDI, le PS à Charleroi reste au cœur de la tourmente. Les juins des finances de la Louvière, Jean Degré a démissionné en cause son emménagement dans une commune voisine, celle de L'Heureux. La loi communale impose en effet à un conseiller communal d'être domicilié sur le territoire où il exerce son mandat. La démission de l'Éjuin louviérois, démission spontanée, a donc pour but de régulariser sa situation et d'éviter la problématique des domiciles fictifs, comme ce fut le cas récemment pour un élu socialiste, Roger Leclerc, à Saint-Josse.
Il pourrait y avoir quelques doutes sur la gestion de la société de logements sociaux du plateau à Ouance et à Ans. C'est ce que révèle la Libre Belgique qui se penche sur la famille d'Ardenne. Le ministre, son frère et son fils y sont épinglés. Jocelyne Leroy. Fermé ce matin, le siège de la société de logements sociaux du plateau à Aouan. Une société en ligne de mire du comité d'audit de la société wallonne du logement. Celui-ci pointe notamment un lien de parenté. Le vice-président de la société, Jean-Louis Dardenne, est en effet l'oncle du réviseur d'entreprise, Frédéric Dardenne, fils du ministre. Mais pour Michel Dardenne, la loi comme la déontologie sont respectées. Ce qui est prévu, c'est qu'on ne peut pas exercer un mandat de commissaire-reviseur dans une société où il y a un lien de parenté jusqu'au deuxième degré. Alors Frédéric, par rapport à son nom, si je ne m'abuse, c'est le troisième degré. L'audit épingle aussi quelques irrégularités sur le plan financier. Note de restaurant sans justification, note de frais du président sans approbation, achat par le président sans respecter la procédure. Le commissaire-reviseur ne devait-il pas relever ces éléments ? En fait, notre mission de commissaire-reviseur est une mission de certification des comptes annuels. Donc ça, je tiens à bien préciser. Nous n'avons pas de compte-rendu de ces audits, si ce n'est ce qui apparaît dans la presse. Et au-delà de ça, nous sommes tenus par le secret professionnel dans le cadre de notre activité. Le président des logements sociaux explique qu'il n'a pas eu connaissance de ce premier audit, ni de celui qui vient de se terminer. Il déclare qu'il peut tout justifier. Après Charles Royer, la suite de nos sondages sur les intentions de vote pour les prochaines élections communales. Aujourd'hui, direction le Hainaut occidental et gros plan sur Moucron. Le bourgmestre actuel, le CDH Jean-Pierre de Trémery, est accroché à son siège depuis 79. Il partage le pouvoir avec le PS. Voici les détails de ce sondage. Jean-François Noulet. L'hôtel de ville de Moucron, cette cité du Hainaut occidental, est actuellement dirigée par une majorité CDH-PS. 360 électeurs du canton électoral de Moucron ont été sondés du 28 mai au 6 juin 2006. La marge d'erreur est de 5,2%. Si les élections communales se tenaient dimanche, le CDH resterait le premier parti à Moucron avec 35,5%, mais perdrait 2,8% par rapport aux dernières élections communales. Le CDH ferait toutefois beaucoup mieux que lors des élections régionales de 2004. Le PS, contrairement à Charleroi, renforcerait sa position avec 28,8%, soit 2,3% de plus. Amélioration aussi pour le MR, 19,3%, en hausse de 5,2%. Écolo connaîtrait un important recul, 9,4%, soit 7,2% de moins qu'il y a 6 ans. Enfin, le Front National, qui a supplanté l'ancien FNB, récolterait 6%. À Moucron, un nombre important d'électeurs change de parti de prédilection. Sur 100 électeurs venus du CDH, 8 votaient auparavant pour Écolo, 7 pour le MR et 4 pour le PS. Au PS, sur 100 électeurs, 9 viendraient d'Écolo, 5 du Front National et 1 du CDH. Au MR, on récolterait 10% d'électeurs du Front National, 7 du CDH, 6 du PS et 2 d'Écolo. Enfin, sur 100 électeurs d'Écolo, 11 viendraient du CDH, 6 du PS et 3 du MR. Alors, qui sera le prochain bourgmestre de Moucron ? L'actuel bourgmestre, le CDH Jean-Pierre de Trémery, bourgmestre depuis 27 ans, est plébiscité par 14% des personnes sondées. Mais il est talonné par Alfred Gaden, lui aussi du CDH, actuel premier échevin, il récolte 13%. La socialiste Annick Saudoyer accède, elle, à la troisième marche du podium. Plus de sécurité et des élus honnêtes, voilà deux des principales préoccupations des Moucronois. Un reportage dans cette ville frontalière, frappée aussi par la crise du travail. Bruno Clément. Moi, je vote plus, parce que c'est tout des mêmes. Pourquoi ? C'est l'argent qui intéresse pour les politiques, c'est l'argent, c'est tout. L'argent, le pognon, ils font rien pour les braves gens, ils font rien du tout. Un premier avis sévère, nullement spécifique à Moucron, mais symptomatique vu les affaires. Un tiers des 50 000 Moucronois souhaitent des élus intègres, honnêtes. 30% d'entre eux veulent aussi plus de sécurité. Ici, Moucron, pour le moment, c'est à Chicago. Rien quand les gens promènent dans la rue, on peut se faire agresser par des gens qu'on ne connaît même pas pour un téléphone, pour un portefeuille. C'est arrivé souvent récemment ? Moi, non, mais à des gens que je connais, oui.
Étrange sentiment d'insécurité dans cette ville où en 2005, la police n'a dénombré que 3 carjackings par exemple et seulement 60 vols avec violence. Tentative d'explication au Nord Éclair, le quotidien local. Je pense que pendant des années, la presse locale a été privée de faits divers. Il y avait un ordre qui était donné comme quoi nous ne pouvions plus y avoir accès auprès de la police. Et donc, les gens étaient un peu déstabilisés. Ils savaient que dans leur quartier, il se passait des choses et on ne voyait rien dans la presse. Et donc, ça a créé un sentiment d'insécurité que l'on ne parvient pas à dégonfler aujourd'hui. En tout cas, ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau. Autre priorité des Moucronois, l'emploi. Les plus jeunes ont du mal à trouver du travail et c'est un gros problème, je pense. Pour avoir un contrat ici, il faut vraiment galérer et faire des heures pas possibles. Et encore La région de Moucron, comme beaucoup d'autres, a été touchée par la crise économique, par la mondialisation et tout particulièrement le secteur textile qui est encore fort représenté sur la région de Moucron commune. Les vêtements made in China ont provoqué ici une dizaine de fermetures d'usines en 3 ans. Un coup dur. Reste à la ville son club de foot, mais là aussi l'électeur émet des réserves. Il devrait faire un peu plus de travaux dans la ville de Moucron et oublier un peu le stade de foot parce que là... Trop pour le foot, le bourgmestre a en tout cas abandonné la présidence du club la saison passée. Une double casquette gênante par les temps qui courent. Oui, et le détail de tous ces sondages demain en radio sur La Première et sur Vivacité, dans le journal Nord Éclair et aussi dans tous les journaux du groupe Sud Presse. Le gouvernement wallon a approuvé la création d'un syndicat d'études pour étudier la façon de mettre en œuvre un système de péage routier en Belgique. Tout avançait bien, mais voilà, un ministre flamand du gouvernement bruxellois freine. Alain Dremière. Histoire en 2 actes. Premier acte ce matin, le gouvernement wallon annonce une position commune des 3 régions sur la vignette autoroutière. La vignette sera valable partout en Belgique. Elle ne sera payante que pour les véhicules étrangers, climat consensuel. 2e acte cet après-midi, pour la région bruxelloise, il n'y a pas d'accord. Je suis d'accord avec le principe de l'introduction de la vignette qui permettrait de faire payer des étrangers qui véhiculent sur notre territoire pour une partie au financement de notre réseau routier. Là, aucun problème. Mais naturellement, ce qui a été quand même fort provocateur, c'est les clés de répartition de ces recettes qui a été prévues par nos collègues flamands et wallons. La clé proposée par la région wallonne prévoit 1% pour les Bruxellois. Pas plus. C'est logique, estime Michel Dardenne. Nous avons mis sur la table les mêmes règles que celles qui sont d'application pour les plus de 12 tonnes, car le système existe déjà pour les plus de 12 tonnes. Mais ce système, Guy Van Engel n'en veut pas et il envoie un message au nord comme au sud du pays. J'ai dit à mes collègues, nous n'avançons pas sur le dossier de la vignette si nous n'avons pas d'abord un accord des 2 autres régions qu'au moins 10% des recettes vignettes seront attribuées à Bruxelles. Là, vous bloquez tout. Ah oui, mais je commence à avoir l'habitude des discussions budgétaires et financières dans ce pays. Je sais qu'avec mon ami Dardenne, avec qui je m'entends par contre très bien, si je ne suis pas assez ferme dès le début, je serai roulé par après. Bref, la vignette, ce n'est pas pour demain. Morale de la journée, la charrue ne se met pas avant les bœufs, même sur l'autoroute. Je vous le disais hier, le curateur de la Sabena, Christian Van Buggenhout, a été démis de ses fonctions. Des questions sont soulevées, entre autres, par une éventuelle utilisation abusive de la carte Visa de la curatelle. Mais pour plusieurs observateurs du dossier, il pourrait s'agir d'un possible règlement de compte. Jonathan Crix. Christian Van Buggenhout s'occupe de la faillite de la Sabena depuis le début, en novembre 2001. Mais hier, le tribunal de commerce a décidé de le relever de ses fonctions. On lui reproche notamment de ne pas avoir donné des justifications suffisantes sur l'utilisation de la carte Visa de la curatelle. Et puis, on lui reproche d'avoir favorisé des entreprises « amies », entre guillemets. Philippe Doyen, lui, est très proche du dossier. C'est lui qui a déposé plainte pour les travailleurs au moment de la faillite. Et pour lui, Van Buggenhout faisait bien son boulot et il dérangeait certains. Il a payé 100% du personnel dans une faillite, c'est extrêmement rare en Belgique, pour dire pratiquement jamais arrivé à 100%. En plus de ça, il fait un calcul de patrimoine, c'est un travail colossal, c'est le travail le plus difficile pour un curateur en Belgique. Il est envié par rapport à ce travail, mais le pouvoir dérange le pouvoir, ça c'est clair. Il se dit que Christian Van Buggenhout aurait des mauvaises relations avec ses supérieurs au tribunal de commerce de Bruxelles depuis plus d'un an. Toujours est-il que pratiquement, cette éviction risque surtout de retarder le travail de la curatelle de la Sabena. Quand vous avez un professionnel qui, lui et son équipe, sont pendant 5 ans dans un dossier aussi lourd, aussi important, même si la personne qui le remplace est extraordinaire, ce que je souhaite, ben, d'office, ça va ralentir, d'office, il va falloir prendre du temps, d'office, on est de nouveau parti pour 1 an ou 2.
Christian Van Bugenhout n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il a indiqué qu'il préparait sa défense et qu'il allait d'ailleurs se pourvoir en cassation. La grève est totale chez Inbev. Le mouvement qui avait démarré mardi s'est étendu depuis ce matin à l'ensemble des sites belges du groupe Brassicole, à Juppie, entre autres. Les syndicats tentent ainsi de mettre la pression sur la direction afin d'obtenir des meilleures conditions de départ pour les travailleurs licenciés. Rappelons que 225 travailleurs vont perdre leur emploi. Il pourrait aussi y avoir une pénurie de bière en Belgique dans les prochains jours. Mais ça n'est qu'une crainte pour l'instant. La Belgique continue, vous le savez, à s'intéresser de près à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et cela à quelques semaines des élections. Un exemple, des instructeurs militaires belges sont actuellement à Kalumi, où ils forment des stagiaires à la conduite automobile, mais aussi entretenir le matériel militaire. Une précision, le contrat entre la Belgique et le Congo exclut toute vente d'armes. Reportage, Michel Rouzeret, Philippe Lamère. Très bien, très bien. Vous avez mérité cette attestation. Et bonne chance. Maintenant, vous allez devenir motocycliste. Oui, ça va. Droite, droite. Ces hommes viennent de terminer leur formation de motocycliste. Dans quelques semaines, d'autres soldats congolais devraient eux aussi recevoir un brevet. Ils reçoivent une attestation qui prouve qu'ils sont capables d'utiliser l'engin ou le véhicule sur lequel ils ont été formés. En 15 jours, ils doivent apprendre à conduire une Jeep et un camion. Un apprentissage qui n'est pas toujours évident. Tous ces chauffeurs sont des néophytes. Ne joue pas avec le volant. Va jouer avec le volant. Voilà, comme ça. Très bien. Les routes ne sont que des pistes et le matériel affiche les années au compteur. Mais la bonne volonté, la patience et un respect mutuel permettent de surmonter ces difficultés. Allez. Notre instructeur a bien avec nous. Ouais. Il est là, il explique très bien. Ouais. Et nous comprenons. Mais ici, l'instruction ne se limite pas uniquement à former des chauffeurs. On a des formations de mécaniciens qui durent une douzaine de semaines, électromécaniciens également. Ça demande effectivement un peu d'intelligence pour suivre la formation théorique, mais aussi beaucoup de sens pratique. Et c'est sur ce sens pratique que nous insistons particulièrement. Un minimum de théorie est malgré tout indispensable. Et pour faire comprendre certaines matières, les instructeurs doivent faire preuve de talent pédagogique, d'autant que le niveau d'études des stagiaires est fort inégal. Et je pourrais I. J'en ai deux données. Alors je sais calculer maintenant, je sais retrouver là ma troisième. Quand c'est l'électricité, c'est quelque chose qui n'est pas concret. Donc tout ce qui n'est pas concret, pour eux, c'est très difficile à comprendre. C'est pour ça qu'il faut beaucoup imager et donner beaucoup d'exemples. Dans quelques semaines, ces soldats congolais retourneront dans leurs unités. Ils auront en charge la conduite et l'entretien du matériel que l'armée belge leur a vendu. Mais au-delà de l'apprentissage, ce sont surtout des liens humains qui se seront créés entre les instructeurs et leurs élèves. Levez-vous contre la censure. C'est un appel lancé par Amnesty International contre la censure sur Internet. Mais quelle censure et pourquoi et surtout comment lutter, Sylvie Duquesnois? Ce site de la BBC en persan n'a jamais pu être consulté sur le net. Le gouvernement iranien l'a censuré. Malgré toutes les possibilités qu'il offre, Internet n'est pas le garant de la liberté d'expression. Amnesty International a donc décidé d'utiliser la toile pour dénoncer les censures qui y sévissent, et cela à travers un site irrépressible.be. Les dissidents d'aujourd'hui n'écrivent plus des livres, ils n'écrivent plus tellement dans les journaux, ils s'expriment sur Internet, ils ont leur blog où ils envoient des emails vers l'extérieur. Et ce qui n'a pas changé, c'est la volonté des gouvernements de les faire taire. Certains, comme ce journaliste chinois, sont en prison pour avoir simplement diffusé par mail des informations relatives à l'anniversaire des événements de Tiananmen. Dans ce cas-ci, Yahoo a sa part de responsabilité. Les pétitions d'Amnesty ciblent donc les gouvernements, mais aussi les moteurs de recherche. Ils sont complices actifs. Il ne suffit pas de dire on a détourné nos mesures, on a détourné nos outils pour pratiquer la censure. Yahoo a fourni des informations tout à fait concrètes au gouvernement chinois qui ont permis de condamner un journaliste à 10 ans de prison. Idem pour Microsoft qui a dénoncé, qui a accepté d'aller voir les informations qui se trouvaient sur le disque dur d'un militant antinucléaire qui avait déjà fait de la prison depuis longtemps.
signer une pétition ou diffuser par mail un logo et des messages censurés, voilà pour les modalités de la campagne d'Amnesty. Bref, un petit clic pour empêcher les claviers d'être totalement sous contrôle. Chez nous, jamais des fouilles d'une telle envergure n'avaient eu lieu dans ce qu'on appelle la Meuse moyenne. Un radar a repéré plus de 250 épaves de véhicules entre Namur et Liège. La justice va maintenant les repêcher. Le but essentiel, retrouver peut-être des personnes disparues qui seraient tombées dans l'eau à bord de leur voiture. Christophe de Borsu. Un radar a d'abord inspecté le fond de la Meuse. 268 traces de véhicules ont été repérées sur les 50 km entre Namur et Liège. Depuis ce matin, deux hommes plongent sur les épaves. Ils les arriment à une grue qui hale les véhicules sur la berge, comme cette Nissan. C'est un véhicule volé, il y a environ une dizaine d'années, et qui n'est pas lié à un dossier de disparition a priori. Car l'objectif est bien de retrouver des personnes disparues à bord de leur véhicule, comme Marc Sélis, qui s'est volatilisé à Jambes en 2005, ou encore Jeanne de Chantal Thierry, dont on a perdu la trace à Marchin l'été dernier. Au total, la police cherche 37 personnes. On a une liste comme ça, de 37 personnes, où on ne retrouve ni la personne ni le véhicule. L'expérience, il faut voir qu'il y a une possibilité réelle que ces personnes se trouvent quelque part dans un cours d'eau. Le long de l'eau, un frère et une sœur. La semaine dernière, leur père est tombé dans le fleuve en marchant sur le halage. Ils espèrent que les fouilles permettront de le localiser. Ça ferait une semaine que papa est tombé sous mes yeux, dans l'eau, à Jambes. Et depuis, ben, on est dans l'attente, on a envie de retrouver papa pour qu'on puisse faire notre deuil réellement, ne plus tout le temps avoir ces mêmes cauchemars tout le temps. Malheureusement, on retrouve rarement un noyé avant qu'il ne remonte à la surface 3 semaines après le décès. Les fouilles cesseront fin de l'année à Liège. Même si l'on ne retrouve pas de corps dans les voitures, disait un policier, le fleuve sera tout de même moins encombré d'épaves. La Coupe du monde de football débute demain. Vous le savez, il n'y aura pas de diable rouge sur le terrain. Par contre, y a-t-il des supporters belges déjà présents en Allemagne? Reportage sur place, notre envoyé spécial Daniel Welter. Malgré la distance, du Costa Rica à Munich, il n'y a qu'un pas lorsque son équipe ouvre le mondial. Pour la Belgique, évidemment, c'est autre chose. Même si quelques centaines de kilomètres à peine la séparent de l'Allemagne, il faut se lever tôt pour trouver ici des supporters belges. En dernier recours, nous avons donc imaginé ceci. Un petit écriteau qui n'est pas passé inaperçu, même s'il nous a fallu marcher longtemps avant de trouver le premier Belge. Vous êtes venu pour la Coupe du monde de football ? Ah non, quelques années avant déjà. Je travaille à l'Office européen des brevets depuis 3 ans. Donc je vis à Munich maintenant. Alors, les Belges ne sont pas à la Coupe du Monde, ça vous fait quoi ? Un petit regret, une petite déception. Un peu plus tard, un autre exilé se souvient avec nostalgie des performances des siens. Il y a d'une part le match d'ouverture en 82, et puis le trajet qu'ils ont fait jusqu'à la demi-finale, c'était en 86, je crois, au Mexique. Ça, c'était les deux meilleurs souvenirs. En 86, qui a oublié Roger Laboureur et ses célèbres goal, goal, goal? La Belgique vient de battre l'Espagne en quart de finale. C'est que le Belge n'a pas à rougir de son football. De 82 à 2002, il n'a jamais raté une Coupe du Monde. L'ancien joueur Benoît Tans est régulièrement interpellé sur le sujet. C'est clair que on côtoie aussi des gens de la télévision, des anciens joueurs de foot, et ils posent la question pour savoir, tiens, comment va le football belge, qu'est-ce qui se passe, alors qu'il y a 20 ans, on gagnait les Coupes d'Europe, il y a 20 ans, on était 4e en Coupe du Monde. Pas de panique pour les Allemands, l'absence belge ne serait qu'une pause. Lors des qualifications, la concurrence était très grande, surtout avec les pays venus de l'Est, et qui jouent très bien. Mais je pense que les Belges seront bientôt de retour. En fin de journée, nous n'avions toujours pas trouvé de supporters belges. Ben voilà. En basket, la finale des play-offs est relancée. L'Union Montsenot a créé l'exploit hier soir à Ostende. Menée 2-0 après 2 matchs, les Montois ont remporté la 3e manche, 70-72. Ce succès très important permet à l'Union de rester dans la course au titre. Prochain match samedi à Mons, juste avant le doudou. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, les Cordiers jugés fixes, suivis d'un épisode de 6K. Demain, vous retrouverez Anne Delvaux pour le JT. Très bonne soirée à tous et à toutes.
Voici un appel à témoins. La police et le parquet d'Anvers sont à la recherche de l'auteur d'un vol à main armée commis en plein jour au début du mois de mars avec comme butin deux diamants de qualité et de valeur exceptionnelle. Le jeudi 9 mars dernier, vers 13h30, un homme masqué et armé est entré dans la joaillerie Dimesport Diamond Laser Applications, située Molendreef à Wijnegem. Il a menacé le gérant à l'aide d'un pistolet noir et d'un couteau et l'a emmené dans le coffre. Le voleur a pris la fuite avec deux diamants de valeur et de qualité exceptionnelle. Le diamant le plus important est une pierre de 316 carats. Il a une valeur estimée à 2,5 millions de dollars. La joaillerie avait reçu la pierre d'une firme sud-africaine en vue de la travailler. Le diamant est arrivé le 28 février dernier et a été immédiatement placé à l'endroit prévu pour y effectuer le travail commandé. Au moment du vol, ce diamant n'était travaillé qu'au tiers de sa surface. Le deuxième diamant volé est une pierre de 15 carats. L'auteur est un homme de race blanche, mesurant environ 1,80 m et est âgé entre 25 et 30 ans. Il est de corpulence normale et s'exprime en néerlandais. Il est probable qu'il ait pris la fuite via la Molendreef en direction du parc, d'où il aurait pu atteindre la Turnhoutsbaan via un sentier. Un véhicule de fuite devait l'attendre à cet endroit. Si vous avez des informations sur ces faits ou sur l'auteur, si vous avez vu des agissements suspects à Wijnegem, dans la Molendreef, dans le parc ou sur la Turnhoutsbaan, veuillez prendre contact avec la police. Si un diamant vous a été proposé à la vente de manière suspecte, veuillez prendre immédiatement contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 91 119 ou avec le poste de police le plus proche. Celle ou celui qui donnera l'information permettant l'identification du ou des auteurs ainsi que la récupération des diamants recevra une récompense fixée à 200 000 dollars de la part de la compagnie d'assurance. Les témoignages peuvent également parvenir via avisderecherche@police.be. Cet avis est disponible sur le site www.police.be sous la rubrique « Appel à témoins ». Ce soir, la fille d'un pianiste est accusée de meurtre. Les cordillons du doigté, ils connaissent la musique. Un homme est retrouvé assassiné sur la route, mais Siska a des doutes sur sa véritable identité. Dans Screen, il y a Bruce Willis pour le film Over the Edge et Richard Dreyfuss pour Poséidon. 20h20, les cordiers jugés flics. 22h, Siska. 23h10, Screen. Bonne soirée sur la une. Mon avis, 2 étoiles. Oh, 3 étoiles, tu le moustique. Seule une idée révolutionnaire pouvait combiner essence et énergie électrique. Lexus Hybrid Drive, la berline GS450H et le SUV RX400H. Les premiers hybrides haute performance au monde. Cette idée révolutionnaire est aujourd'hui devenue réalité. En chaque femme, sommeille force et passion. Activez-les avec le nouveau Vénus Vibrance de Gillette. Son gommage délicat révèle une peau douce et lumineuse. Vous vous sentez encore plus radieuse. Nouveau Vénus Vibrance. Aucune brosse à dents ordinaire ne peut rivaliser avec la nouvelle Oral-B Triumph. L'écran ordinateur incorporé Triumph et sa brossette Floss Action vous donnent des dents nettement plus propres et vous aident à améliorer la santé de vos gencives. Triomphez grâce à votre sourire. Nouveau Oral-B Triumph, la brosse à dents des experts. La 2 est la première présente. Le surprenant. Surprenant. Le curieux. Le curieux. L'amusant. L'amusant. Le singulier. Le singulier. Élargissons nos horizons. Élargissons nos horizons. Information nouvelle saison, 0800 944 44. Le public, un théâtre pour le plaisir.
bienvenue chez nous. Cet été, dans le cadre de l'année du village 2006, La Une, en collaboration avec l'Office de promotion du tourisme Wallonie-Bruxelles, survolera 9 villages de Wallonie et donnera la parole aux habitants. Bienvenue chez nous, dans les hauts pays. Tout est artisanal aussi. C'est une fête où on se déguise. Bienvenue chez nous. C'est très sentimental ici, notre musée. C'est un très vieux village. On peut se promener